Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu. Teeny Tiness Wonderland live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Vous aimez le métal? C'est quoi cette question? Évidemment, comme tout le monde. Bref, il y a une petite guéguerre de groupe dans la forêt. Moitié barde, moitié barbare. Être la madame du lac dont j'ai tant entendu parler. Vous pourriez m'aider à trouver la Sainte Graal, Nab? Quoi? La quoi ça? Bon, ça sert à rien de parler. Mes fichus voisins gobelins font un boucan de tous les diables avec leurs tambours. Ha ha! Tout est clair à présent. Faut zigouiller les tambourineurs. Après quoi, la madame du lac accédera à notre demande. Parlez aux voisins de madame du lac. On pourrait peut-être essayer de les soudoyer ou de les intimider avant de les trucider, non? Je peux lancer mon sort. Sympa, votre orchestre. Ce serait dommage que je doive, disons, tous mon butin. Alors mettez-la en sourdine, figé. Vous entendez ça? L'autre cache pour vous. À l'attaque. Très bien. Ramenez-vous. Ah merde, encore des méchants, va pas en dessous.
sera encore plus moche quand j'en aurai fini avec toi. J'ai utilisé leur tête comme caisse claire. Et si on parlait de la Sainte Graalnade? Oh, vous cherchez la Sainte Graalnade, hein? Eh ben ça alors. Écoutez, mon chou, si vous la voulez, vous devez parler à ce moule à gaufre de Mervin. Mais il vous parlera que si vous maniez l'épée flingue extra calibre. Attention, elle est gardée par Lens, le valet de Mervin. Il vous faudra avoir du cran et du muscle. Du muscle? Écoute, Moulek, j'ai plus de muscle dans mon cerveau moteur que toi dans toute ton absence de corps. Même mon vache scrofuleux et malnutri pourrait te botter les fesses. Oh, voyez-vous ça? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Page, aux armes! Bon. Tout ce que je pourrais faire avec ça. Même si, bon, en théorie, je pourrais l'utiliser qu'une fois. Mais c'est pas grave, je pourrais la brandir de manière menaçante, car bien que la vue de la grenade inspire l'admiration, la terreur et le respect qu'on doit à une divinité. Messire Mervin, je t'ordonne de faire halte, frérot! Oh, sabre de bois! On doit traverser ce pont, mais l'autre débilos et ses potes là-bas se mettent en travers de notre route! Dis-lui d'aller voir ailleurs! Ça va? Vous avez pas l'impression d'être dans le passage? Écartez-vous avant que je m'énerve!
être sacrément auguste. Prouve l'étendue de ta dextérité et tu pourras passer en toute sécurité, frérot. Ouais. Si tu veux traverser, il faut le renverser. Oh, bon, on sort le grand jeu. Et c'est un pilonnage pendant ta chute, ça devrait lui clouer le bec. Bien essayé, frérot! Mais va falloir faire mieux que ça! Personne ne peut battre l'ex sur son sentier. T'entends? T'as aucun mal à tomber, c'est déjà ça. Attends, c'est peut-être ça l'astuce. Essaie de tomber plus fort. Ah, faut que je tire dessus. J'ai siphonné toute ma magie. Rien. Hein. Pilonner le champignon de laine, ça veut dire quoi pilonner? Pilonner, c'est-à-dire quoi ça? Écraser le champignon. Thank you.
Bravo. Si j'ai pas le bain. Il est peut-être insensible à ça, peut-être que je trouve de quoi d'autre. Une autre arme. De cette carte est juste. Ouf, ça a dû leur prendre des plombes à tout cartographier. Bon ben, on va avancer. On essaierait de voir ce qu'on a mal fait ici, là, mais... Salut, on cherche un bon gros métalleux pour nous aider. Moi, c'est Sinistrella, leader des hordes Barbac. Gloire à Zygatine. Loué, poisson non obscur.
En gros, on est le groupe de métal le plus extrême du royaume. Mais nos tenues et nos instruments manquent un peu de peps. Faudrait plus de piques et de cornes, tu vois? Alors, on espérait que tu pourrais nous aider. On va partir sur un matériau naturel, comme du bois. Mais faut que ce soit du bois maléfique, d'un arbre maléfique. Tu me suis? Oh boy. J'imagine que j'ai vu plus tirer par les cheveux qu'un arbre maléfique. Ouais! On raconte qu'il y aurait un arbre super maléfique quelque part dans la forêt. Essaie de le trouver. On a vraiment besoin de nouveaux matos hyper métal. J'avoue, ça m'intrigue. On va être tellement cool avec ce nouveau matos! On va montrer à ces frimeurs d'apocalypse bubonique qu'on est le meilleur groupe de métal! J'ai tout entendu! Les traces de pneus! Bah ouais, j'espère bien! Sale richou hypersensible, pas foutu de m'étaler! Oh! Je m'étale mieux que n'importe qui! N'importe qui! Dis-toi! Ouais, si tu le dis, Arthur! Admirez mon attirail! C'est ce qui a marqué sur les étiquettes que ta mère coud sur tes slips. Pas sur moi pour te laisser manquer de respect impudent, Cindy. Tu m'appelles encore une fois comme ça, et je te sacrifie à notre ténébreux seigneur démoniaque Zygaxis. Qui ça? Oh, c'est ton petit copain imaginaire. C'est ça. Tu vas payer pour ça. Par ici, petit dé. J'ai dit, tu vas payer pour cette insulte, petit gars. Ouais, ouais. Tu vas souffrir comme jamais tu pourrais imaginer. Non, ce que je vais... Maléfique. Maléfique. Avec du sang qui coule et tout. Ça alors, un arbre maléfique. Qui l'eût cru? Et il est entouré de mages squelettes. Qui attaque? Protégez les racines. Les racines sanglantes. Léo Télère. La vraie magie, c'est l'écriture ciselée de talentueux scénaristes à travers le monde. L'arbre maléfique repousse vos attaques à distance toute moisie. On dirait que vous allez devoir tenter une autre approche. Demande à qui penser les deux, quand ils m'ont donné toutes ces compétences. Voilà. L'arbre. Il saigne. Oh, c'est super métal, ça. Mortellement métal, ouais. Attends, le bois continue de saigner même après qu'on l'a arraché de l'arbre? Comment ça fonctionne?
Et à ce sujet, pourquoi est-ce qu'il saigne cet arbre? Ouais, ça devrait faire l'affaire. Plutôt bien, même. Rapporte-nous ça. Les hordes barbaques vont se faire un relooking d'enfer. Une seconde. C'est pas très métal. Oui, je le sens. Notre ténébreux seigneur démoniaque Zygaxis est ravi. Regarde, il nous file du nouveau matos dément. Gloire à Zygaxis! Loué soit son obscur. Et maintenant, camarade, on va te récompenser avec une chanson. Ouvre grand tes oreilles et aussi ton âme. Gloire à Zygaxis! Loué soit son nom obscur. Vous sentez le pouvoir maléfique des accords maléfiques. Frottez maléfiquement les cordes de mon cœur. Les cordes de mon cœur? Ça existe, ok? Le pouvoir du métal invoque des morts vivants. Ah bon? Mais on devrait peut-être protéger ça, non? Je crois bien, ouais. Vous feriez mieux d'éteindre les vomis des cybelles. Tu parles de mes enceintes? Ouais, mais il est trop naze, ce monde. Je me demande quel est le meilleur endroit pour enterrer mon enceinte. Ces fans sont un peu trop hardcore! Bah alors? T'as jamais fait un pogo dans la fosse ou quoi? C'est méga énervant! Certains morts vivants semblent retomber dans leur sommeil éternel. Allô, dis plus loin. Non, laisse-moi faire. Ah ouais? Eh ben on vient de réveiller les morts! Fais mieux que ça, reflux de diarrhée chouineur! Ok! J'ai juste besoin de l'aide de ton acolyte d'abord! Oh, bon, va l'aider. On devrait bien se marrer. Nous, on est Apocalypse Bubonique.
T'as sûrement entendu parler de nous. On est des légendes du métal. Mais bon... Ah, j'arrive pas à croire que t'as accepté d'aider ces minables et hordes de Farvac. Oh, écoute... Je peux faire mieux qu'eux avec de la vraie magie noire. J'ai volé cette page dans le grimoire de ma mère... d'une puissante sorcière. C'est un sort qui s'appelle... le marteau infernal. J'ai juste besoin que tu me trouves les composants. Eh tiens, prends ça. Je vais partir du principe que, bon... en tant qu'acolyte de ton calibre, j'ai pas besoin de t'expliquer plus que ça. Même si je connais parfaitement tous les composants qu'il faut, ça va sans dire. J'ai déjà essayé le sort chez moi, avec des substituts plutôt malins. Mais tout ce que j'ai réussi à faire, c'est cramer mon petit-déj. D'un tyran, en fait. C'est juste son cerveau. Ouais. Bien sûr que je savais que ça voulait dire ça. Ben ouais, je savais. Utiliser un mot passif-agressif que ma mère m'avait laissé. Ça, c'est un vrai tyran. Je la déteste tellement. Ah, bien sûr! Son œil, littéralement! C'est logique! Et puis je le savais déjà, de toute façon! Moi, j'ai tenté d'utiliser la loupe dont sert ma petite sœur pour peindre ses poupées. Ma mère est toujours de son côté! Je la déteste tellement! Thank you.
Salut, hey, Arrow, Julien, excuse-moi, je te... T'es concentré, comment ça va? Ciao, ciao, ciao! Bah, tu sais, ça va bien, là? On va faire des quêtes secondaires. Ah, tu parlais de jouer. Je pense que je vais faire la quête solo. Toi, t'es rendu où, toi? Déjà. J'ai commencé lundi, mardi. J'ai reçu le jeu lundi. Le vrai cœur d'un vrai roi, ça se tient. Pourquoi je vois pas? Le cœur. Pas une dizaine d'heures, je pense, ben une quinzaine peut-être. Là. Ça fait pas mal les quêtes secondaires. Je suis où? C'est là qu'on trouve de l'acheter. Ok, je suis là. De mon côté, j'avais tenté. Ok, il va mettre le point après. De mon frère. Ouais, mais je pense pas faire toutes les quêtes secondaires, par exemple. T'as trouvé tous les composants. Alors, crouche-toi de revenir. Faut que je montre à ces losers l'apocalypse bubonique et plus métal qu'ils le seront jamais. Bon. Ok, il faut que je tourne de bord. Par ici. Moi, j'ai jamais joué au Borderlands, par exemple. Oh, god, mauvais bord. Il y a juste une quête. Je sais pas si tu l'as fait, là. Je pourrais te la montrer, je sais. C'est un gars qui est sur un champignon, je suis pas trop sûr qu'est-ce qu'il faut faire. Bah, le chaudron est prêt pour les composants que t'as trouvés. Balance-les là-dedans, pour que je puisse faire ma magie noire, là. Ok, donc, là... Recule. Parce que je crois que t'imagines même pas la montagne de métal que je vais te faire exploser à la tronche. Ça commence par un solo qui démonte sa vieille maman, et vous, vous commencez juste après. Compris? Seigneur démoniaque! Ah ah! Vous voyez un peu ça? Vous avez vu comment je suis trop métal? Fascinant. Je suppose que par élimination, ça fait de l'autre groupe le plus métal des deux. Hé ! Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas ?
Ils ont lancé un sort, vous voyez, et puis ils se sont fait immoler. Vous savez ce que ça veut dire, les gars? On est officiellement le groupe le plus métal de tout le royaume! On est trop métal. Ultra métal! Il nous reste plus qu'une chose à faire. La plus métal de toutes. Je vais te donner ta récompense, acolyte. Pour service rendu au groupe le plus métal du monde, nous t'offrons la récompense ultime! Te sacrifier pour notre... On verra ça après. Seigneur démoniaque Zygaxis! Le groupe s'approche de vous avec une ferveur démoniaque dans le regard. Vous n'avez pas d'autre choix que de combattre pour votre survie! Non mais regarde un peu ce que tu viens de faire! Comment je suis censé semer le chaos si j'ai pas de corps à posséder, moi? Zygaxis, c'est ça. J'avais pas vraiment le choix, vous en conviendrez. C'est eux qui ont commencé. Tu viens d'où, Iroh Julien? Je suppose que je ne peux pas t'en vouloir. Et je suppose aussi que tu voulais les aider. Viens, je vais te récompenser pour tes efforts. Hé, hey, t'es chez Caribou, prends ta chaise, puis regarde-moi, hein. Tout se passait à peu près bien, et puis ils ont essayé de me tuer. Ouais, c'est comme ça, par ici. Bon, la première chose à faire, c'est de trouver le grimoire ombrageux, pour que tu puisses résister. C'est mon vrai nom. Retrouve-moi à Sabot Ardent. Et dans un nuage magique et démoniaque, il se téléporte. Attends! Bon, je vais aller. Attends. Il est déjà parti, mon chou. Grognax, bienvenue à la tribu du Caribou Canadien, mon ami. Ça fait super plaisir de t'en faire. Oh yeah! Salut, si je peux dire. Jamais ça! Fred, dis-lui que j'ai raison. En effet, les démons ne font jamais ça. Salut, le jeu est dispo sur quel site? Je le trouve pas sûr. Il est pas dispo sur Steam. Grognax, ça va? Tu joues sur PC, toi? Moi, je suis sur Xbox, mais. Es-tu encore là, Iroh Julien? J'ai besoin d'aide, là. Je te demande, je vais voir si tu sais... Ah, t'es là, bon. T'es ici, le champignon, là. Tantôt, j'ai tombé sur le même champignon que lui, pis ça fonctionnait pas, fait. Tu viens d'où, mon grenier? Appuie sur B quand tu es...
Ah, faut... Ok, fait que je me baissais, mais ça, je l'avais fait déjà. Ça marche pas. Rester appuyé sur quoi? Oublie pas, je suis sur Xbox, je suis pas sur PC, moi là. Sais-tu que j'ai pas la bonne arme? Au-dessus de lui. La B, c'est pour se baisser, là. B, ça se baisse, là. Pilonner le champignon de laine. Ça veut dire quoi, pilonner? Tu parles-tu là ou un autre champignon plus haut de lui, là? Ça marche pas, là. Je viens de le faire, là. Quand on est opportuniste, toute carte est une carte au trésor. I understand, Danielson. Comme ça. Qu'est-ce que... Hey, mais c'est de la triche. La vache. Un combat de vache. Envoie Pierre, vache. Je te rejoins après. Allez, les gars. Montrons-lui ce qu'on a dans le ventre. Les armes, j'ai de la difficulté à savoir qu'est-ce qui est meilleur que quoi. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Oh, j'ai une hache tantôt qui était mieux. Elle est où? J'étais jeté à terre, mais pas perçu. Elle est là. D'accord.
Je l'aime, mon arme. Tire de la glace. Bah, quand c'est fini de recharger, elle lance une balle qui gèle. Viens d'où, mon Julien? Ah! Oups. Mais pourquoi je peux pas la ramasser? Quelle est cette sorcellerie? Ah, mais oui, ça me revient! La légende dit aussi que seule une main d'une noble lignée pourra manier la lame digne de la royauté. On a besoin du roi! J'ai bien fait de me préparer. Page, prends cette assignation et amène-le-moi, et plus vite que ça! Allez. À quel âge, mon cher ami? Eh, hey, quand on veut sauver le monde, on a l'obligation morale de s'optimiser. J'ai trouvé le Graal. Il était là. De quel âge? Ah, t'es un ce week-end. Je vais avoir 39 en septembre. Lâche-nous la grappe. Tu l'as déjà raconté 10 fois et c'est de moins en moins crédible à chaque fois tellement d'orage. Bien le bonjour, votre royauté. Vous êtes assigné à comparaître. Je vous laisse prendre une petite laine. Tu joues à d'autres jeux? Notre cours et nous assigné à comparaître, nous. Roi Archisur, maître du royaume et de ses couloirs boisés. Très bien, quelle que soit ta quête, nous l'acceptons. Mais, par égard pour la cour, nous devons écouter ta convocation avant de quitter ces lieux. Tel est le protocole. Ah, d'accord. Il n'y a pas de limite de poids de l'inventaire dans ce jeu. Moi, Baron Clap-Clap, convoque le roi Archisur, premier de son nom débile, car même s'il est pourvu de bras mous comme des macaronis en comparaison de mes bras robotiques de métal, j'ai besoin qu'il lève son auguste boule et qu'il retire Extra Calibur de son maudit caillou pour me la filer. Fin de la citation. Bien envoyé. Oh, merde. Il suffit. Tuez cette canaille. La vache. Je peux pas y saquer. D'ailleurs, je vais les lister. Raison 1. Les rois prennent tout mal. Une minute et une marche d'un coup. On va dire que non. Bref, je disais quoi, moi? Ah oui, les rois, c'est bien qu'une bande de chouineurs fragiles qui peuvent pas encaisser les critiques. Raison 2. Raison 3. Bon, ça concerne seulement le roi Archisur, mais ils sont sûrs
son huile de moteur en audience royale est indigne, Baron Claptrap. Vous n'êtes même pas un oncle, alors arrêtez de vous faire appeler Baron, Baron Claptrap. Un jour, je me vengerai. Voilà les raisons qui expliquent ma détestation. Qu'en dis-tu, page? Oh, c'est vrai, je n'ai pas encore de page. Je devrais m'en découvrir. Mais un page qui me donnerait d'être malheureux en comparaison. Il devrait être malin, chrétien. Il peut être une caisse à outils. Un peu comme le roi Archie. Mais tu es pas génial. Non. Ça veut dire que tu vas le remplacer? Je pense que non. Enfin bon. La légende dit qu'on a besoin de sa main. Donc, récupère ce qui reste du roi et reviens. L'aventure nous attend. Mon sort est prêt. Rapporte-moi cette chose pour qu'on puisse récupérer. Rien, yeah, ce qui me tire. Je reviens, pas de soucis. C'était bien plus fastoche que ce que prétendait la légende. Enfin bref, vire-moi cette vieille épée pourrie que j'ai dans le dos pour faire de la place pour cette petite merveille. Je peux sentir la puissance. Arrow, Julien. Une photo. Ni jamais ces missions secondaires là. Quoi, ce petit saut-là? Quoi, ce saut de merde-là? Quoi les jeux que tu joues sur PSK? Complètement fumé. Généralement. Bon. C'est arrivé. J'ai une
filtre rien, mais tu peux être sûr qu'il y a au moins une apostrophe et beaucoup trop de voyelles. Ah, je connais pas Ghost in Tsushima. Aussi, tu cherches la sainte Gralnade. Alors, prouve-moi que tu es à la hauteur en battant mes disciples. Page, défends ton maître. Défends, oh non, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Costaud, certes, mais seul un être d'une profonde sagesse et digne de manier son pouvoir aussi gigantesque que redoutable. Tu dois résoudre mon énigme ou périr. Si tu veux tenir la destruction dans tes mains, tu devras distinguer tes amis de tes ennemis. Approche-toi du véritable Mervin. Et la sainte Gralnade sera à toi. Fastoche, je connais ça. Choisis celui-là. Regarde-le là-bas, plein de suffisance. C'est clair qu'il cache quelque chose. Grâce au pouvoir d'Extracalibur, te tirer du pétrin sera un vrai jeu d'enfant, Page. C'est l'heure de s'extracalibrer ici. Quoi ? Tu es de retour ? Tu es tenace. Dans tous les cas, j'imagine que si tu réussis la deuxième fois, ça passe. Je te donnerai quand même la sainte Gralnade. Mais pas de triche, hein ? Bien sûr, ce que je voulais vraiment dire, c'est que c'était lui, le type là-bas. Oui, oui, c'est lui. Je le sens dans mon châssis. Mon châssis. De la page. Tiens bon, faut juste que... Regarde pas les choses de trop près. Tu devrais pas voir tout ça. Sésame, s'ouvre ! C'est un gag. Je t'ai donné deux occasions et tu te trompes encore une fois. Clairement, tu n'es pas digne de manier la turbopuissance de la sainte Gralnade. Tu vas donc devoir payer le prix de ton échec. Qu'il aille se faire voir, celui-là. En fait, qu'ils aillent tous se faire voir. Page à l'attaque. Tu veux te trotter au meilleur, c'est ça? Ah,
You, Saint Graal. De nombreux trésors m'attendent là, quelque part. Reviens par ici, Page. Je voudrais pas dire mot. Oyez, oyez, bonne chance. Et tout le tatouin. Je me demande à quoi pensaient les dieux quand ils m'ont donné toutes ces compétences surpuissantes. Bon. La quête principale. Bon, on va couper ça là. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu. Teeny Tiness. Wonderland Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!